Bonjour, je vous propose un pudding à l'orange avec son coulis de framboise. Pour le faire, il va vous falloir 500 g de framboise qu'on va mettre de côté. Il vous faut 4 œufs, une grosse orange, 40 g de fécule de maïs, 4 grosses cuillères à soupe d'édulcorant, 120 ml de crème liquide. On va commencer par faire les zestes et prendre le jus de l'orange. Quand on a pris les zestes et le jus de l'orange, on va prendre un saladier où on va mettre les 4 œufs qu'on va battre. On fait bien attention de ne pas mettre les coquilles. Donc là, on bat les œufs. On va mettre 3 cuillères à soupe d'édulcorant. L'autre cuillère à soupe servira pour le coulis de framboise. Donc on rebat. On va mettre le jus de l'orange et les zestes. En bas. Et là, tout doucement, on va faire tomber la fécule de maïs. Quand la fécule de maïs est bien intégrée au mélange, on va rajouter la crème. Donc toute la crème. On mélange bien. Donc ça nous fait une pâte assez liquide. J'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés. Là, je prends un moule. Donc moi, j'ai pris un moule carré. Vous pouvez prendre des petits moules individuels aussi. Moi, je l'ai beurré parce que comme c'est pas un silicone, j'ai beurré et j'ai mis une feuille de papier sulfurisé au fond. Je verse mon mélange. Et là, c'est parti pour 2 minutes au four. Là, pendant le temps de la cuisson, on va préparer le coulis. Donc, on prend nos framboises. On va mettre la cuillère à soupe d'édulcorant qui reste. Et on va tout mixer. Je vais vous éviter cette partie. Votre coulis est mixé, vous allez le réserver au frais. Mon pudding est prêt, je vais le dresser. Voilà mon pudding à l'orange avec son coulis de framboise. Bon appétit! Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à aimer. Au revoir.